Il ne constitue pour moi un danger pour eux-mêmes pour eux et surtout pour les personnes vulnérables avec lesquelles ils vivent. L'heure est donc pour eux à la prise de conscience et à la responsabilité. L'expérience a montré que partout dans le monde, les mesures barrières appliquées avec rigueur et détermination sont pour le moment la seule arme efficace pour stopper la propagation de cette terrible maladie. Ainsi donc, plus besoin de dire aujourd'hui que la désinvolture, la légèreté et l'irresponsabilité dans le comportement sont à bannir parce que dangereuses pour soi et pour les autres. Mesdames et messieurs, l'heure n'est pas à la polémique ou aux supputations. L'heure est à l'unisson, à la solidarité et à la responsabilité. Depuis le début, les Sénégalais ont montré avec détermination et abnégation combien il est important d'agir et de réagir ensemble pour faire face à cette pandémie. Cette posture est aujourd'hui plus que jamais d'actualité. Parce que l'ennemi est toujours debout, devant nous et prêt à frapper. Malheureusement, nous notons depuis la levée de l'état d'urgence un certain relâchement des populations et un non-respect manifeste des mesures barrières à la tête desquelles le port du masque et la distanciation physique. Je peux donc dire aux Sénégalaises et aux Sénégalais qu'il est plus que jamais nécessaire de nous mobiliser, de combiner nos efforts et de lutter collectivement et solidairement contre cette pandémie qui, s'il faut le rappeler, constitue une, un précédent sanitaire dépassant tout ce que nous pouvions imaginer. Il est donc impératif que nous continuions à nous comporter en citoyens modèles, en respectant scrupuleusement tous les gestes barrières recommandés. Arrêtons le déni et la stigmatisation. Cette maladie n'est ni honteuse ni tabou. Regardons la réalité en face et agissons en conséquence pour vaincre la COVID-19. C'est ainsi que, faisant suite aux instructions de M. le Président de la République, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 5 août 2020 et à la réunion du CNGE présidée par son Excellence lui-même hier, je voudrais porter à votre connaissance la prise des décisions suivantes, des mesures suivantes avec effet immédiat. Interdiction des rassemblements au niveau des plages, des terrains de sport, des espaces publics et des salles de spectacle. Interdiction de toute manifestation sur la voie publique. Spécialement dans la région de Dakar. Port obligatoire du masque dans les services de l'administration et du privé, dans les commerces, dans les transports. Respect scrupuleux des arrêtés du ministre des Transports relativement au nombre de places autorisées dans les transports en commun. Toute violation de ces dispositions expose son auteur à des sanctions pénales, pouvant aller de l'amende à l'emprisonnement conformément aux dispositions du Code des contraventions. Ainsi, des instructions seront données pour faire payer aux contrevenants une somme forfaitaire entre les mains de l'agent verbalisateur, c'est-à-dire au bureau des contraventions des commissariats de police et des brigades de gendarmerie, comme prévu par les dispositions de l'article 517 du Code de procédure pénale. En conséquence de quoi, et pour que nul n'en ignore, je voudrais insister sur le fait que toutes les dispositions utiles sont prises par mes services en rapport avec nos forces de défense et de sécurité, que je félicite vivement au passage pour le travail remarquable opéré depuis le début de la lutte contre la pandémie du coronavirus pour que force reste à la loi. Je vous remercie.